Kate Middleton a retrouvé son époux, le prince William, pour se rendre au Royal Albert Hall de Londres le 11 novembre 2023. La princesse et le prince de Galles ont assisté, en ces lieux, au Festival du Souvenir. Il est temps de jeter un regard sur le passé. Le dimanche 12 novembre 2023 est marqué, au Royaume-Uni, par la commémoration du Remembrance Sunday. Ce jour-là, le peuple britannique rend hommage à la contribution des militaires et civils britanniques et du Commonwealth aux deux guerres mondiales et aux conflits ultérieurs. Les membres de la famille royale d'Angleterre assistent, dans ce cadre-là, à de multiples événements dont l'un a pris place la veille, le 11 novembre. Il s'agissait du Royal British Legion Festival of Remembrance, le festival du souvenir, une représentation organisée au Royal Albert Hall de Londres. Mika Parry, Callum Scott et Katie Melua ont chanté lors de ce show présenté par Claire Boldy et retransmis sur la BBC. Kate Middleton et le prince William, qui viennent de se retrouver après une courte séparation, assisteront également à une cérémonie au cénotaphe de Whitehall. Ils ont croisé, au Royal Albert Hall de Londres, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et sa femme Akshata Murthy, mais aussi plusieurs membres de la famille royale, dont le roi Charles III et la reine consort Camilla, mais aussi la princesse Anne, la duchesse de Gloucester et Sophie, la duchesse d'Édimbourg. Pour venir applaudir le Festival du Souvenir, Kate Middleton s'était mise sur son 31. La maman de George, Charlotte et Louis avait enfilé une sublime robe noire Emilia Wicksted accompagnée d'un clutch Stuart Weitzman. En termes de coiffure, elle avait adopté un look un peu à l'ancienne, à l'époque où elle était, non pas la princesse de Galles mais la duchesse de Cambridge, c'est-à-dire une teinte plus foncée, une frange disposée sur les côtés et des mèches un peu moins ondulées. Si est-il la deuxième fois que ce festival du souvenir se fait sans la présence de la reine Elisabeth II, elle qui est morte en septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Pour lui rendre hommage, Kate Middleton avait mêlé ses perles à elle à d'autres ayant appartenu à la souveraine. Si est-il un message important et très puissant, souligne l'expert royal Judy James. Ces perles ne sont pas exactement le look habituel de Kate mais elles sont immédiatement associées à la reine. Cette combinaison entre les bijoux de Kate et de la reine est un message de continuité très fort.